Voice Renew 103.0 FM. Ils veulent nous atteindre, mais ils ne vont pas nous atteindre, voilà. C'était une coupure de lumière, il faut le dire, comme le chef d'État suit l'émission et puis les enfants n'importe quoi. Bien. Voilà. Je voulais simplement dire que ce soir, nous vous avons entretenu à travers votre radio. Et en rappel, c'était l'histoire de Bitcoin, parce que nous sommes en train d'aller déjà en gare. Bitcoin qui a homologué une tendance pour un coup d'état scientifique financier. Des contrats n'ont pas été renouvelés pour certaines institutions et des investisseurs, naturellement, qui ont bien voulu être les partenaires indéfectibles du Cameroun. Moutazé, tu as refusé de renouveler les trucs parce que tu voulais introduire Bitcoin comme la monnaie nationale et vider les caisses de l'État. Comme dans d'autres pays où les économies ont été victimes à travers cette monnaie imaginaire qui n'a rien à voir avec la réalité et le condensé. Je tenais absolument à faire un point d'honneur. Et le point d'honneur ici, c'est de dire le Cameroun fonctionnera, vous ne pouvez pas. Le patronat camerounais, le JICAM, qui aujourd'hui a à sa tête un consulte, plus principalement le consulte de Rwanda, comme si on peut avoir deux casquettes au même moment, on est patron des patrons des hommes d'affaires et au même moment on est consulte politique honoraire. Je crois que les deux ne vont pas de pair. Je voulais dire un bonsoir à Mbouma, qui se marie du côté du Mali. Il a choisi. C'est vrai, petit frère, c'est bien. Il est ambassadeur. Il a choisi de devenir musulman, c'est bien. Vous dites que, comme je le disais tantôt, je suis ami, je suis très proche de la Russie. Le président Poutine n'est pas votre ami. Il n'est pas l'ami des prédateurs, il est l'ami sur le plan diplomatique, sur le plan logiciel en tant que chef de l'État du président de la République. Ça ne souffre d'aucune contestation. Le timonier que j'appelle souvent l'agent immobilier ne m'en dira pas plus parce que ce n'est que justesse, comme on dit. J'ai fait un tour quand même là-bas, du côté de l'hippodrome. Je suis allé regarder la société de transit. Il y a un certain Ayolo qui travaille là-bas. Je ne sais pas de quel Ayolo s'agit, mais il y a un certain Ayolo qui travaille là-bas. C'est une dame. Et naturellement, on ne peut pas faire autre chose que de dire qu'on n'est pas surpris par cette désinventure. Il faut tout faire pour évincer le promoteur de renouveau. Vous allez passer sur mon dos. Vous allez passer sur mon dos. D'une manière logique, Bitcoin, c'était pour simplement vider les caisses de l'État et compenser par les formats A4
d'une manière arbitraire et que nous puissions être victimes comme d'autres pays là où on a vidé les caisses de l'État. De toutes les façons, ça ne passera pas et ça ne se passera pas comme vous pensez. Je veux lire le document comme les auditeurs sollicitent que je puisse le relire. Le document donc qui fixe encore la qualité de blanchiment, de transfert fictif. De nos arts au profit de Vision 4 qui est passé aux aveux maintenant. Je crois que les chefs et camps ne m'en voudront pas. Avant que je ne lise le document, je veux lire quelques noms. Moutazé Hervé de Libye, si. Moutazé Olivier. Moutazé Cyril. Les contenants sont les mêmes, je ne sais pas de quoi il s'agit. Et je veux lire ce document qui va mieux établir la responsabilité du faux virement. Et je veux le reprendre. Type d'instance et transmission. Message. Je veux bien le lire. Ce message est envoyé en système time stamp du message et à 2h du matin, bien sûr, le 27 décembre 2010. Non, le 27 décembre 2019, à 2h45 minutes, on a envoyé le document. La référence d'entrée correspond en entête du message. Type de message MT198 message à format propriétaire. Expéditeur DTRS CMC XAXX. Expéditeur DTRS CMC XAXXX. Destinataire BEAC. CMC PXXX4 pour priorité utile 099, corps du message 201, numéro de référence de la transaction 1001-076-CM 2, message demandé 103 77, contenu du message, 59 clients bénéficiaires, le faux client qu'on a maquillé pour que Vision Kaka puisse être bénéficiaire, c'est PLAMC MCX, correspondant du destinataire DTRS. CMCX 23B non 23 oui code opération bancaire CRED 23 code de l'instruction SDVA code de type de transaction 004 date de valeur code de devise montant date 27 décembre 2019 devise euro montant 1 million 800, ça fait dire 1 878 171,89 € de notre agent distrait, client de l'ordre, CUST-CM-103-11-1-01-D-1-001. Direction du Trésor du Cameroun, boulevard Rodolphe Douala Mangabel, CM Yaoundé, correspondant de l'expéditeur 1001,
DTRSCMC X Conbacker BIC CRL YFRP client bénéficiaire FR 813 00 3 fois 200 965 40 44 82 08 B 07 Péri ambassade Cameroun France 73e rue d'Auteuil 75 016 Paris France Paris information sur le paiement transfert de fonds destinés incompressible détail de frais information entre l'expéditeur et le destinataire il faudra retenir que ça a 2h45 minutes dans un bureau imaginaire je ne sais pas où qu'on a envoyé ce message vers la France 27 décembre 2019 à 2h45 minutes. Voilà, je disais tout à l'heure que nous allons entrer en gare malgré quelques aspects techniques. Ils ont voulu nous suspendre l'énergie, mais c'est pas grave, nous posons des actes patriotiques. L'émission était à la hauteur de la dimension. J'interpelle ici mes frères et petits frères du côté du nord. Non, je vous l'ai dit, du sud-ouest et du nord-ouest, de sortir de là pour sortir. Ça ne veut rien dire. Il faut sortir de là parce que ça ne vous apportera rien du tout. Rien du tout. Le Cameroun est indivisible. Moutazé ne peut pas prospérer dans son idéologie et va percuter le mur. Bien, c'est vrai que Moutazé Hervé de l'IBC, l'IBC, Moutazé Olivier, Moutazé Cyril, ça ce sont des dossiers qui vont s'ouvrir dans les prochains jours et on va en parler, on ne va pas désigner. Hein? Alors, dans la lecture dont je faisais tout à l'heure, je voulais le dire, dans le faux papier, le faux document qui a fait sortir plus d'un milliard 500 millions dans l'épargne budgétaire en direction de l'ambassade du Cameroun en France, Ketchanke, le très célèbre Ketchanke, qui se passe pour être protégé. Vous n'êtes protégé par personne. L'État du Cameroun, il y a un seul premier Camerounais, c'est le chef de l'État. Il ne vous a jamais protégé. On ne protège pas les prédateurs. Si vous posez vos actes, soyez responsables. On parlera des immeubles de Ketchanke du côté de Paris. Il faut toujours se rappeler. On parlera de la dame qui s'occupe de l'évacuation. De certains, je vous l'ai dit, Camerounais qui ne sont pas en apothéose avec les règlements. Il y a même aussi les évacuations sanitaires. Et les médecins qui est très proche de Ketchanke. Ses origines, si je me rappelle très bien. Elle est quelque part là, sur la route ferroviaire. Nous allons parler des choses compliquées. Les choses de l'ambassade. Il faut en parler.
C'est inadmissible que dans un pays comme le nôtre, que les gens prennent la prédation pour leitmotiv, un chef d'État qui se retrouve à Genève, au deuxième on trouve des paragons qui tentent de vouloir l'agresser. Qui était l'auteur? Et c'était à quelle période? On se pose la question. Où était passé le DCC? Où était passé le l'ambassadeur? On se pose la question. Du côté du Gabon, je vous ai dit, j'ai une force titanique. Pendant les officines de notre très célèbre agent immobilier à l'ambassade du Gabon, il y a des choses compliquées qui se sont passées là-bas. Hein. Et c'est comme ça que moi je dis mes choses. C'est pas normal. Il y a des choses compliquées qui se sont passées là-bas. Vous voulez qu'on vous fasse des cadeaux? Voice Renew 103.0 FM. Vous avez déjà vu un enfant qui ne défend pas son père? Je défends d'abord l'institution. Et ensuite, le père, vous allez passer sur moi avant d'arriver. Vous ne pouvez pas. Donc, on ne peut pas omettre que notre agent immobilier a fait goudronner tout son village. J'ai des vidéos, j'ai tout. Ça aussi, on va me dire qu'il n'y a pas. Ou bien il avait pris le crédit. Quelqu'un qui a voulu construire un parc automobile en plein Messoc. Vraiment, c'est terrible. Hein? Après, on va venir me dire, non, il faut laisser, tu sais, c'est le village. Moi, je ne suis pas dedans. Demain, on demandera à mon père et moi, vous avez fait quoi du Cameroun? Il faut faire le bilan. Vous serez chez vous tranquillement. Et nous, il faudra qu'on réponde. Non, ce n'est pas sérieux. On va défendre les intérêts de notre pays jusqu'à la dernière. Je voulais dire. Hein. Donc que les gens arrêtent un peu de nous faire des leçons. Non, il faut laisser les gens. Mais on ne va pas laisser les gens qui viennent piller le pays pour que qui fasse la comptabilité après. C'est pas normal. Pas du tout. Il y a dans ses paramètres, il a laissé quand même une jeune dame là-bas. Hein. Elle faisait même quoi là? On va pas parler d'un certain nombre de choses, mais elle faisait des choses assez compliquées, cette dame. Donc, on va en parler. Tant que vous voulez mettre en mal le régime du renouveau, vous allez me retrouver en face. Moi, je n'ai pas besoin de vos guichis, comme on dit souvent. Ça ne m'intéresse pas. Garder ça pour de l'autre genre, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que je sais... Qu'est-ce que vous pensez de ce pays? Et ce n'est pas tous les Camerounais qui sont d'accord avec vous. Hein. Si quelqu'un est d'accord avec vous, c'est qu'il mange. Donc, continuez à manger. Mais je vous poserai la question un jour. Où est-ce que nous en sommes? Parce que toi, un temps. Là. Pendant ce temps, je veux publier ce document. Vous avez dit que vous n'avez jamais rien fait. Donc, voilà. Je n'aime pas les gens qui dérangent. Je veux lire quand même le document. Vraiment,
les auditeurs aussi, vous me demandez un peu trop, hein. Bon, je suis là pour ça. Je vais quand même le dire pour une dernière fois, parce qu'il faudra retenir les noms. Parce que depuis là, vous ne retenez pas les noms à tous les coups. C'est pas normal. Ça veut le président travaille beaucoup. Il faut aussi comprendre ça. Vous ne pouvez pas. Le président travaille beaucoup. Donc, je veux lire ce nom pour que vous puissiez les retenir une fois pour toutes dans vos agendas. L'histoire de crypto-monnaie. Ils savent pourquoi ils faisaient le petit malin. Donc, moi je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais j'ai l'impression que il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre village. L'histoire des crypto-monnaies est une histoire compliquée. Crypto-monnaie. Je veux lire les noms de ceux qui ont été à l'origine du document qui a failli nous mettre dans des problèmes avec la communauté internationale et nos partenaires et le régime financier mondial, voire le marché de la bourse financière. Ianga Kumda Gabriel, chef de division de la première, chef de division de la prévision en service aux finances. Il y a pour le secrétaire technique Abdul Kadri Vachima, je reprends. Yanga Kumda Gabriel, chef de division de la prévision en service aux finances. C'est lui qui a assuré la supervision de ce fameux document en draft. Abdul Kadri Vachima, cadre DP. Dogmo Ngako Boris Joël, cadre DP. Amadou, le beau-frère d'Aouda, cadre DP, ça veut dire la division de la prévision. Kayo Wafo Donald Archantil, cadre DP. Otolo Bineri Rodrigue, cadre DP. Willy Arnaud Mengue, cadre DP. Rédaction et lecture. Tchadde Nana Loïc Béringer, cadre DP. Metama Martin, cadre DP. Voilà. Ceux qui ont failli faire passer le document crypto-monnaie pour que nous puissions être dans des problèmes. Voilà. Je disais tantôt, le train va entrer en gare. Et je remercie tous les grands personnalités qui ont bien voulu suivre cette émission jusqu'à sa fin. Je leur dis un bonsoir encore de plus, un bonsoir au couple présidentiel. Le chef de l'État, son exécutif, président de la République, Paul Biya, et son illustre épouse Chantal Biya. Le président Sassou Nguesso, qui a su recadrer un certain nombre de choses. D'ailleurs, l'occasion nous y a permis de voir le Vumoku Dieudonné, qui est le nouveau maître de l'ABEAC, avoir ses offres d'installation et ses armoiries méritées. Bien sûr, accompagné de la famille présidentielle, pour ceux qui pouvaient l'accompagner dans ce voyage statutaire. Nous disons un bonsoir, ou jeudi, je voulais dire, jeudi un bonsoir encore au président togolais et son épouse, le président gabonais. De la même manière, je voulais vous rappeler quelque chose. Je suis l'ami très proche de Zemfumou, le premier ministre, l'un des premiers ministres de la Guinée équatoriale,
sous le label de Papa Nguema. Voice Réunion 103.0 FM. Avec son illustre épouse, un bonsoir. Vous savez, j'ai quand même une traçabilité. Je parle peu, mais je réalise. Un bonsoir aussi à Tedoring, cher petit frère, le vice-président de la Guinée équatoriale avec son épouse. Je n'oublie pas le président Macron, son épouse, bien sûr. Le président Touadéra qui se ravise, ou bien qui s'est ravisé, d'être autour d'une tourterelle de, pas des imposteurs, mais des agrégats qui posent un certain nombre d'actes que j'appelle des actes qui ne sont pas logés dans la réalité des faits, mais plutôt dans l'imposture. Un bonsoir à Simp, pourquoi pas, avec la bande des Centrafricains Jean-Pierre Amourou, à Béga, j'en passe. Je n'oublie pas Obama, le chargé de communication, qui est dans une institution de la place, qui est aussi, qui a bénéficié de nationalité, nationalité centrafricaine. Je n'oublie pas Jules Diawe, le maître du jeu olympique des Fossés. Et d'ailleurs, c'est le fils de mon ami, mon feu ami, plus Diawe, mais qui a un enfant qui se comporte de cette manière. Il a en fuite, son épouse est du côté du BGFI Douala, dans une banque. Et je voulais le dire, que la course est terminée. La République est debout. Ceux qui ne veulent pas y rester n'ont qu'à déménager. Ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas être à la hauteur n'auront que leurs yeux pour pleurer. J'estime que il est le bon ton que nous nous quittions. Je vous souhaite à tous et à toutes, à tous les auditeurs, une très bonne nuit. À la prochaine. Je vous quitte sur un pas les champs de musique pour vous dire. Ah, comme quelqu'un avait dit, le milliard qui est arrivé à l'ambassade, je voulais faire un calcul avec le directeur technique et ça va vous faire rire un peu. Nous allons fermer tout en souriant, parce qu'il faut aussi faire sourire même quand nous avons des prédateurs qui ont pris le pays en otage et qui pensent qu'ils ont posé un certain nombre d'actes et que ces actes étaient des actes de noblesse. Je voulais simplement qu'on partage en souriant. Il faut sourire. Comme on dit souvent, ce n'est pas la mort. Nous devons être souriants. Bien. C'est un jeu de calcul. C'est un jeu de calcul qui sera fait avec vous. Et on va se quitter en souriant. 1 878 171,89 euros. Multipliez ça à la valeur absolue.
ça fait combien de francs CFA? Parce que je ne quitterai pas, il faut que nous calculions. 1 878 171, 89 euros qui sont allés ou bien qui ont été payés pour le compte de Vision Caca TV, moi j'appelle ça Vision Caca, par le trésorier. Non, je vous l'ai dit, l'inspecteur principal du Trésor, payeur auprès de l'ambassade du Cameroun, Christophe Ketchanke, dont je veux parler de ses biens et de ses complicités du côté de Paris. Il sera démonté. Il n'est pas protégé par le chef de l'État, pas du tout. Pas du tout. C'est de la rigolade. Christophe Ketchanke. Le bilan de Christophe Ketchanke dans les tout prochains jours, ça ne souffre d'aucune contestation. On va y aller, on va y arriver. Ça fait combien, Tatiba? Mais ayez le courage de me donner le chiffre. Donnez-moi le chiffre. Vous ne voulez pas me donner le chiffre, ça fait 1 million combien? 1 milliard? 1 milliard combien? Ah, mais c'est grave ça. Ils sont devenus sourds tous. Bon, ça veut dire que ça fait combien? 1 milliard combien? 500 quoi? Non, c'est pas 1 milliard 500, c'est bon. Quand on dit 1 milliard 500, ça ne peut pas être 1 milliard 500 ronds. C'est plus, non? Parce que Amourou Belinga touche normalement. On lui fait un chèque de trésor de 1 milliard 500. Je vais vous démontrer comment on coupe. Bon, 1 million 800. Donc, moi je vois ici. Ça veut dire que s'il a touché seulement 1 milliard 500, mais fais-moi un calcul rapide là. Non, ça ne peut pas être 1 milliard 500 juste. C'est impossible. Parce que si tu fais 1 milliard 500, l'euro c'est 650. Bon, quand tu multiplies, il faut prendre ce chiffre. Multiplier ça sur la machine technique, on va partir. Parce que, bon, je donne ce chiffre pour que nous puissions nous séparer gentiment. Il faut que les gens puissent rire un peu. Parce que lui, il touche 1 milliard 500. Et regardez la combine. Ils ne sont pas intelligents. Pas du tout. Je veux vous démontrer que Ketchanke a pris ses pourboires. Voilà. Il dit qu'il est protégé. Vous n'êtes protégé par personne. Voilà. Je veux donner ça. Je vous donne le... Voilà. 1 milliard... Non, 1 878 171. 89, je pourrais calculer aussi à la maison. Hein. 1 878 171,89 euros. Ça fait combien à peu près? C'est un jeu de mots. Ça fait pas 1 milliard 500 seulement. Hein. Parce que moi je vois un chèque qu'il a touché à 1 milliard 700. On est en train de jouer au loto. Si vous trouvez vite le chiffre, là, vous nous le passez. Normalement, ça... Non, c'est pas possible. Voici le chèque qui est touché. C'est pas moi qui vois mal. Je ne parle pas... Je parle pas d'elle. C'est pas du tout ça. C'est dit 1 million 800 000. C'est 800 000, pas 800 francs. Hein? Vous voulez jouer à quoi là? Hein? Voici.
1 milliard. Voilà, c'est 1 milliard combien? Tcha, tu veux combien, 1 milliard quoi? 1 million 800. Attendez. Il faut qu'on trouve le chiffre, on va partir. Vraiment. Bon, je vous donne le chiffre. Parce que moi, j'ai vu combien il a touché déjà. Il faut qu'on voie comment il se partage l'argent du Cameroun. Parce que ces gens, c'est des tourniquets. Vous vivez bien avec vos enfants, avec l'argent du Cameroun. Piqué de gauche à droite. Et nous, on est là. On vous regarde. On ne dit rien. On vous regarde. Pour vos beaux yeux. Voilà. C'est 1 million 878 171,89. Oui. 171. Oui. Oui, virgule 89. Oui, c'est ça. C'est 1 million quoi? 650. Oui, c'est ça, il faut que... Ça vous donne combien? 1 milliard quoi? Oui, c'est 1 milliard quoi? 1 milliard 200. Oui, 1 milliard combien? 211. Bien! Que quelqu'un puisse sa part! Voilà le chèque! L'attestation de paiement, le voici. Je veux publier encore ça. Il faut qu'on voit la différence. Ouais, le Camerounais, on va s'en sortir. C'est quoi? C'est la TVA qui te prélevait. C'était quoi? On a dit non compressible. Merde. Ça, le Cameroun. Le Cameroun. Vraiment, vous fatiguez mon père, hein? Vous nous fatiguez. Voici ça. Voici le chèque. Voici ça. On lui établit un chèque de 1 milliard 50 millions. Bon, la différence est partie où? Ateba, la différence est partie où? Nous sommes à la fin de l'émission. C'est pas grave, c'est le Cameroun. Aimez votre pays, chers jeunes. À bientôt.